Noël, c'est dans 48 heures. À Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, les préparatifs vont bon train, ou du moins apparemment. Bousculade, trafic routier dense, certaines personnes rencontrées dans les rues du plateau semblent déjà prêtes pour le grand jour. D'autres, en revanche, remercient le ciel d'être déjà en bonne santé. La fête pour eux se passera sans tapage, situation économique précaire oblige. Il n'y a rien eu de spécial pour la préparation. Non, on fait des petits achats comme nous sommes des célibataires. Donc c'est la famille, c'est le père qui s'occupe de la préparation. La fête, comme d'habitude, C'est la même chose, hein, c'est la même chose. On a déjà fait des décorations, mais c'est peut-être les poulets. Les poulets, c'est dès ce soir, les cadeaux sont déjà prêts. Je suis en bonne santé. Je trouve que pour le moment, c'est l'essentiel. Les fêtes, ce n'est pas très important. L'année prochaine, si la situation financière peut s'améliorer, on pourra bien fêter. Dans ce magasin, il y a peu d'affluence. Les rares clients qui s'y trouvent essaient tant bien que mal d'agrémenter au mieux la fête. On essaie de visiter les magasins un peu et puis bon, voir ce qu'on peut acheter pour les enfants. Il n'y a pas l'argent, c'est dur. C'est dur, mais on fait avec quand même. Nous sommes en période de fête, mais les Abidjanais ne semblent pas encore totalement dans le bain, faute de moyens financiers. Les commerces de la capitale connaîtront peut-être plus d'engouement à la veille de la Saint-Sylvestre.